Hello YouTube, est-ce que ça va? Doucement sur les décibels, il est actuellement 1h04 du matin. Alors, il faut savoir que dans la vie, j'ai une passion, c'est les blazers, genre les costumes, j'adore. Et cette année, j'ai enfin trouvé un des blazers ensemble dont je rêvais. Il est là d'ailleurs. Et là, illumination, je dois faire ma liste de make-up d'Halloween et je me dis, mais attends, j'ai un blazer jaune. Go faire the mask. Bon, je t'avoue que j'ai un peu le seum parce que le chapeau est indisponible partout sur internet et j'avoue que cet accessoire m'aurait pas mal servi. J'ai une chemise blanche mais elle est introuvable. Mais bon, c'est une chaîne de make-up, n'oublie pas. C'est ça qui compte. Comme la plupart des make-up que je fais sur ma chaîne, je les revisite souvent et je rajoute vachement un côté glamour. Voici le masque version glamour. Oui, je sais, j'ai vu sur Pinterest, Gigi Hadid l'avait déjà fait, mais je le trouve un peu terne, son vert. Et j'ai également vu que Patrick Starr avait fait The Mask en mode glam. Mais bon, moi j'ai mon interprétation, il a la sienne. Et d'ailleurs, je la trouve très réussie la sienne. Le make-up, il m'a mis exactement un épisode et quelques de Wretched. Ouais, je regarde ça sur Netflix en ce moment. Avant de passer au tuto, vérifie bien que t'es abonné à ma chaîne, à mon Instagram et à mon TikTok. Et je te laisse tout de suite avec le tuto. Mais regardez-moi cette beauté. Non, je déconne, ma peau était horrible à ce moment-là. Bref, sache que j'ai déjà relevé mes sourcils avec un petit peu de savon. Pour changer en guise de primer, j'utilise cette fois-ci un spray qui vient de chez Embryolisse. J'attends évidemment qu'il sèche correctement sur ma peau avant d'appliquer quoi que ce soit. Et comme d'habitude maintenant, dès que je veux un teint vraiment parfaitement uniforme, je vais utiliser les bases P. Louise, qu'elles soient colorées ou non, pour les endroits stratégiques de mon visage, genre sur ma zone T et au niveau des cernes. J'en applique grossièrement un petit peu partout et ensuite je viens le tapoter soit à l'éponge, mais ça risque de la salir et d'être compliqué à nettoyer, ou bien au pinceau. Alors par contre, cette étape, elle n'est pas forcément obligatoire, elle est plutôt facultative. Je trouve que sur mon teint, sur ma peau, ça accroche beaucoup mieux. C'est pour ça que j'aime bien choisir cette petite option. Petite nouveauté de chez NYX avec une palette SFX avec de magnifiques couleurs à l'intérieur et je t'avoue que ce format est plutôt pratique. J'utilise la couleur verte et je viens compléter les endroits non maquillés de mon visage. La palette est cool, bien rangée, pratique, rapport qualité-prix présent. Mais il faut que je te dise un truc. En fait, NYX avant, ils avaient déjà des fards gras individuels et je trouve qu'à la première utilisation, vu qu'ils n'ont pas été ouverts, c'est super agréable, ils glissent, ils sont pas secs. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu les as ouverts et tu veux les réutiliser une deuxième fois, bah ils sont super méga giga secs. Donc je me suis dit peut-être qu'ils ont changé la formule avec ces nouveaux produits. Je pense qu'ils l'ont un petit peu amélioré, mais c'est vrai qu'après ouverture, les fards sont déjà un petit peu plus secs et c'est vraiment vraiment fort dommage, je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, je vais prendre la deuxième palette de la collection et venir éclaircir mes endroits lumineux du visage. Après, encore une fois, je trouve que ces palettes sont très bien, mais c'est juste ce petit truc qui m'énerve un petit peu et que je comprends pas. Je pense qu'il faut réhydrater un petit peu les fards avec de l'huile, je pense. Et comme d'habitude, il est évident qu'on a une base grasse, il faut absolument la poudrer. Et la meilleure poudre, je t'écoute. Ouais, c'est bien, t'as retenu la leçon, c'est bien la RCMA. Yes, bien joué. Bon, là c'est totalement un choix personnel, mais j'ai décidé pour un côté un petit peu plus sexy de rajouter des sourcils. Maintenant que la base du teint est faite, je vais pouvoir rajouter du contraste en utilisant la palette Alexis Stone qui vient de chez Revolution. Vraiment parfaite une nouvelle fois, mais en fait je me répète de vidéo en vidéo. Elle est vraiment parfaite au niveau du contouring, les verts sont d'ailleurs magnifiques et je commence à accentuer mon contouring. Donc là pour le coup, on va vraiment créer un contouring accentué, c'est-à-dire qu'on va commencer par un premier vert, ensuite on va en prendre un plus foncé, et ensuite peut-être qu'on partira un peu sur du noir. Et vous allez voir que si vous poudrez très très bien votre teint juste avant, les couleurs s'estompent merveilleusement bien entre elles. Comme dit précédemment, je prends une couleur verte beaucoup plus foncée et j'accentue mon contouring. Comme tu peux le remarquer, le but c'est vraiment de créer un masque, donc je ne vais pas vraiment vers la racine de mes cheveux ni dépasser dans mon cou. Pour encore plus, oui oui, encore plus, never enough comme dirait la meuf dans The Greatest Showman, on va rajouter du noir et cette fois-ci le noir je vais en profiter pour me créer une mâchoire.
Le mot adéquat, c'est pas vraiment créer, c'est juste un petit peu accentuer. Il est évident que là, on travaille sur les ombres, donc je ne vais pas oublier le petit contour du nez, et bien sûr, ce que je vais mettre en valeur, c'est le creux interne de l'œil. Pour le make-up des yeux, il va être super méga giga simple. Je vais tout simplement reprendre les couleurs du début. Donc le premier vert que je vais mettre en couleur de transition avec un pinceau dense, fluffy, et je le dépose au coin interne et dans tout mon creux de paupière sans oublier le ras de cils. Pareil que le contouring, je reprends un vert plus foncé et je repasse mais de manière plus précise sur les zones que j'ai déjà colorées en vert. Pour un effet un petit peu plus glamour, je rajoute un petit peu de noir dans le coin externe et dans le creux de ma paupière, sans oublier de vraiment bien l'estomper. C'est pour ça que je n'hésite pas à reprendre mon pinceau précédent avec la couleur verte foncé. J'accentue un petit peu mon ras de cils. Nouveauté qui vient de chez NYX, encore une nouvelle fois, c'est la palette Utopia et je la trouvais super belle. En fait, il y avait vraiment un pigment qui m'intéressait. Je croyais qu'il allait être un petit peu plus vert que ça, mais franchement, ça me dérangeait pas. En tout cas, sachez, et de toute manière, vous le voyez, il était super pigmenté et il rend très très bien. Non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par NYX, mais j'avoue que les nouveautés coïncidaient pas mal avec le look que je voulais faire aujourd'hui. J'ai mis un crayon vert dans la muqueuse, d'ailleurs, soit dit en passant, il est très très beau aussi. Il est évident que je ne vais pas passer à côté d'un maquillage glamour sans ajouter une touche d'highlighter. Celui que j'ai choisi, c'est celui de chez Jeffree Star, le Money Honey. Il est vraiment sublime, donc j'hésite pas à mettre un petit peu un spray fixateur juste avant pour le booster à mort. Et si je veux qu'il soit encore plus pigmenté, je n'hésite pas à l'appliquer au doigt, et c'est ce que je fais généralement pour le coin interne de mes yeux et l'arcade sourcilière. Je viens maquiller ma bouche avec un rouge à lèvres vert sapin que j'adore. Il est vraiment super cool et je trouve que la couleur allait vraiment parfaitement avec le look. Attention, c'est un rouge à lèvres foncé, donc pas d'erreur possible, prends ton temps pour l'appliquer. Je rajoute un petit liner avec une bascule au coin interne, des faux cils super méga giga volumineux et le look est terminé. Ah oui, le liner, c'est le Epic Liner de chez NYX. Le problème, c'est que, je sais pas, il a eu un problème, il a fui, donc il était un peu trop liquide. Donc ne m'en voulez pas. Ça y est, le make-up est enfin terminé. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, dis-toi que c'est comme si c'était un make-up beauté, sauf que le fond de teint, au lieu d'être de la couleur de ta peau, il est vert. Et que tu as un contouring plus accentué. Mais sinon, c'est un make-up beauté. Avec un petit menton en plus, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère de tout cœur que ce make-up, que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me donner ton petit avis, tes encouragements en commentaire si tu aimes mon travail, mon univers. À laisser un petit pouce bleu. Allez, plus on est fou, plus on rigole. Je suis grave une beauf, putain. Bref, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain tuto. Bye!